À Mandiana, l'autonomisation des femmes est en nette progression. Le nouveau bloc polyvalent est l'une des réponses à cette dynamique. L'édifice est opérationnel et comporte des salles de divers métiers. Déjà, une centaine de femmes est valablement outillée sur les techniques de fabrication du beurre de karité, de saponification et de teinture. Un peu plus de 2 mois d'apprentissage seulement, les résultats sont encourageants. On a pu faire une première phase, nous avons réalisé 2000 et quelques complets en moins de 15 jours avec ces femmes-là, ces braves femmes-là. Et vous voyez là, nous sommes en train de faire des complets, disons, des complets multicolores. Hein? Elles ont appris les techniques de noir, plusieurs d'entre elles ont assimilé les techniques de noir et aussi les techniques de mélange de couleurs. Donc nous sommes dans la dernière phase, la phase d'évaluation. Les femmes qui exercent dans ce bloc polyvalent travaillent en groupement et en association. Au total 246, elles s'organisent financièrement en plus des aides extérieures à faire fonctionner leurs activités. Du coup, ces femmes se professionnalisent et souhaitent à l'avenir tirer le maximum de profit. Avant, je ne connaissais rien. C'est ici que j'ai appris. Dès que j'apprends ici, c'est grâce à Mme Safiat Safi, Mme Sangari. C'est elle qui a fait le financement pour ça. C'est elle qui a fait le financement. Donc, depuis qu'il s'est mêlé dans ça, nous aussi, on a fait nos faveurs et nos efforts. Depuis qu'on est là, il n'y a aucun problème ici. Tout le monde s'engage pour ça. L'apprentissage des femmes en technique de fabrication du beurre de karité, de saponification et de teinture est un processus continu. L'initiative, bien que naissante, vient élargir la liste des métiers pratiqués sur place et compte mobiliser autant de femmes pour une autonomisation garantie. Il s'agit de l'autonomisation des femmes. Alors vous voyez que ce centre a été fait et aujourd'hui nous avons une salle de saponification, une salle de teinture, ensuite une salle d'exposition et une salle de préparation de beurre de karité. Donc je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assistés pour la mise en œuvre de ce projet de la commune urbaine de Mandiana. La réalisation de ce bloc polyvalent concrétise l'un des projets inclus dans le plan de développement local. Un espace de travail qui demeure également comme une priorité pour les femmes des 12 sous-préfectures de Mandiana.